36, verset 18, avec bien. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Encore loin, ma bine, mon gabo, mon carré, encore loin. Encore loin, ma bine, mon gabo, mon carré, encore loin. Votre amour, votre sympathie. Et nous sommes là pour anticiper déjà sur tout ce qui va venir après. Nous voulons inaugurer quelque chose de très fort. C'est vrai qu'hier nous sommes déjà rassemblés. Mais nous voulons inaugurer quelque chose de très fort pour mettre entre les mains du Seigneur cet événement, 60 ans de vie commune, 60 ans d'amitié, de fraternité, 60 ans de manifestation d'amour pour vous et pour elle, nous disons merci à Dieu. À 60 ans, elle soit toujours si jeune, comme celle avec 27, nous disons merci à Dieu parce que c'est grâce à lui que nous avons telle qu'elle est. Nous avons voulu écouter le texte du dimanche, du 22e dimanche du temps ordinaire. Voilà pourquoi l'évangile qui parfois vous fait peur lorsqu'on écoute la tonalité. Lorsqu'on évoque ces cris et ces grincements, là, ce n'est pas pour nous rassurer, c'est pour nous faire craindre un peu l'au-delà, ne pas nous donner du goût à y aller. Mais rassurons-nous, Dieu nous le dit à tous, sa miséricorde est plus forte que notre offense, que notre trahison, que notre infidélité. Et ces textes sont aussi pour nous rappeler que notre destin final, c'est chez Dieu. Et qu'un jour nous y serons, nous pensons à ceux qui sont partis, qui anticipent un peu sur une route où nous nous rendrons tous, là où nous irons tous un jour. Nous pensons à Marguerite, qui était très amie à Françoise et qui est partie il y a quelques temps. C'est ainsi que Dieu décide de nos vies. Quand on dit Dieu, on dit l'absolu. C'est lui qui permet que nous allions et que nous revenions. Que nous soyons restés ensemble. Ne pensons pas que les choses soient faites du
d'un seul péché de hasard, nous croyons qu'il y a une force qui dirige l'univers et qui nous accompagne. Et c'est pour ça que nous l'évoquons, nous avons écouté aussi la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, avec un accent paternel. Il dit, si Dieu te punit, si te sanctionne, ce n'est pas parce qu'il te veut du mal. Jamais un père n'a sanctionné son enfant pour lui vouloir du mal, mais pour le rendre meilleur. J'imagine qu'en 60 ans, Françoise en a beaucoup vu, de toutes les couleurs et de tous les goûts. Le ciel n'a pas seulement été plus rayonnant, il y a eu des moments où il était sombre. 60 ans de vie, c'est communiquer donc aussi cette expérience à ceux qui restent, à ceux qu'elle accompagne désormais. Nous lui ferons le cadeau que nos grands-mères nous ont toujours laissé en témoignage. Lorsqu'on nous réveillait à 5 heures du matin pour faire le chapelet, ou qu'on nous bousculait, ça ne nous plaisait pas, et pourtant ils ont façonné ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et pour vous dire, c'est un nouveau rôle que vous avez endossé lorsque vous avez des enfants, des petits-enfants qui viennent à la vie, pour leur permettre d'être ce que vous avez été, que nous serons aujourd'hui. Alors nous voulons aujourd'hui confier Françoise entre les mains du Très-Haut. Lui dit merci de nous avoir permis de nous rassembler. Il dit à Dieu, voilà ta servante. Tu en fais ce que nous te demandons. Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, je suis au milieu d'eux. Il ajoute quelque chose de plus fort. Tout ce que vous demanderez au Père, en passant par moi, si vous êtes unis d'un même cœur, je vous l'accorderai. Nous voulons demander qu'il lui ajoute encore 60 ans. Quand elle serait parvenue à 120, soit la mémoire de la communauté. Nous voulons lui demander qu'elle lui accorde beaucoup de bénédictions, ainsi qu'à nous tous et à vous tous qui êtes venus, qui continuent de nous protéger. Lui soit Jésus-Christ et que le Saint peut nous accompagner. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Réunis au nom de notre foi, remettre un cadeau symbolique à Françoise. Il s'agit d'un chapelet. Il s'agit
les trois bougies. Je vous ai dit, quand nous étions plus petits, quand vous étiez plus petits, c'est les grands-mères qui réveillaient à 5 heures du matin pour prier le chapelet et allumer la bougie. C'est bien que la main soit là. Donc, Nara apprendra de toi à prier le chapelet et allumer la bougie, qui sont le signe de la foi que nous communiquons aux enfants qui viennent après nous, pour qu'ils connaissent le même succès que nous. Donc voilà, si vous voulez bien m'applaudir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Anna Maria, eh, Anna Maria, eh, Oma Agnum, Oma Agnum.
wale wale ya moi. Ah, I'm in love with rhythms. Les gens vont encore dire que je pass me the light. Africa tonight, today not today, oh. Mommy, oh daddy, on est tous validés, oh. Kere, kere ba, Alaji Bayasa. Kere, kere ba, Hakuna Matata. Tell me how you feeling, feeling vibe. When I saw I get it a record. Molo, molo, molo. Kere, kere ba, Alaji Bayasa. Kere, kere ba, Hakuna Matata. J'ai la puissance à la Katumbe, à la Kalaka, à la Katumbe. I got the power à la Katumbe, à la Kalaka, à la Katumbe. J'ai la puissance. Mais je suis très contente de voir, de vous voir ce soir. Et surtout, je suis très honorée d'être là à l'anniversaire de Maman Françoise. Merci de nous avoir invités. Merci d'avoir pensé au live. Avec moi, n'hésitez pas, je vous attends. Une femme incroyable. C'est ton grand soir pour lui dire aussi
quand nos cœurs et les mains tout bonheur. Je sais que vous l'aimez, que vous l'adorez. Alors je vous prie de l'applaudir. Regardez comme elle est belle, Françoise. On applaudit bien fort, Françoise. Elle a choisi le bleu. Et pour ceux qui méprisent un petit peu la signification des couleurs, c'est la nouveauté. Regardez comme elle est toute jeune. Elle ne fut pas ses 60 ans. On va la poser, je vous en prie. Françoise, 60 ans, 60 années. Elle est rayonnante, elle est radieuse, elle est belle. Accompagnée par terre. C'est la beauté que vous voulez voir. La beauté de ça. Royal. Elle a mis les barres sous l'été. Hein. Et je peux le confirmer ce soir, le sourire sur le visage d'une femme vaut tous les maquillages du monde. Et quand Françoise sourit, elle prolonge votre espérance de vie. Merci infiniment d'être là. Merci. C'est tout ce que je peux vous dire. Et que, en commençant, il y a M. l'abbé qui va nous bénir le repas. Parce que moi j'ai faim. Le petit bébé a 60 ans. Elle veut manger. Et la soirée continue, hein. C'est que le début. On peut l'applaudir, je vous en prie. Il y a beaucoup d'émotions, on l'a ressenti. Je voudrais te dire, Françoise, à 60 ans, je me suis laissé dire qu'on a la sagesse combinée de 6 enfants de 10 ans, qu'on a l'intelligence de 3 jeunes de 20 ans, qu'on a l'esprit de 2 personnes de 20 ans, et qu'à 60 ans, on a la mémoire de 60 bébés de 1 an. Et Picasso rajoutait en disant, je le cite, à 60 ans, on devient jeune. On peut l'applaudir encore une fois, je vous en prie. Profite de ta jeunesse, prends du bon temps et souris à la vie. Bon anniversaire, Françoise. Merci infiniment. Et pour, bénir cette soirée, bénir le repas, nous allons inviter l'abbé Françoise Zimbaud, qui vient de Strasbourg. Merci, monsieur l'abbé, de nous rejoindre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bénis-nous, Seigneur, bénis ce repas des mains qui l'ont apprêté, au cul du passé qui ont faim. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit à vous tous. Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Je passe à mon passé. Je lève le nom.
Rick Ross, caught a flight and jumped off the jet. AP, iced out the neck, 100 bottles all at once. Lights come on, that's when I get done. Double up number one. Drop it down, shake it up some. Drop it down, shake it up some. Drop it down, shake it up some. Yeah.
vous pouvez vous applaudir. Elles arrivent. C'était vraiment très serré, un coup à coup. Le même nombre de points. Brigitte, on applaudit, je vous en prie, Brigitte. Deuxième dauphine. Chantal, également deuxième dauphine. Jeanne, deuxième dauphine. Anne-Marie, deuxième dauphine. Ex-écho, Marie-Noël. Que de princesse. Liliane. C'est le Nyanga que vous voulez voir. Ça peut tirer. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait déchirer. Je ne savais pas. À cause des meilleurs. Brigitte, à l'annoncer, Anne-Marie, Marie-Noël, Liliane, Rosalie, Chantal, Hélène, bien évidemment. Et pour Maman Hélène, Maman Hélène aussi. Et ça se joue maintenant entre, il faut s'avancer, Nala, la petite fille, et Françoise. C'est une guerre de génération, c'est une guerre de génération. On va désigner à présent la première dauphine et la Miss Ancienne. Qui de Nala, 2 ans. Qui de François, 60 ans. Décroche. Ce soir, le César, la couronne de Miss Ancienne. Je voudrais vous remercier tous et chacun pour vos votes. Je voudrais vous dire merci de votre présence et de votre participation à cette élection, à ce grand concours de beauté. Mesdames, Messieurs, la Miss Ancien Yéyé et Françoise. Françoise, on peut l'applaudir bien fort. Miss Ancien Yéyé. Et on peut aussi applaudir Nala, bien évidemment, la première dauphine qui n'aura pas de mérite, qui s'est battue avec ses armes, mais il y avait plus forte qu'elle ce soir en la personne de sa mamie. Alors pour la couronne et l'écharpe de Miss Ancien Yéyé, nous avons invité Philomène, Madame Duval. Elle va nous rejoindre, Philomène, Madame Duval. C'est elle qui va, bien évidemment, poser la couronne de Miss aux ovations, je vous en prie. La couronne, c'est une reine de beauté, 60 ans au compteur, 60 balais, 60 printemps. C'est une grâce. Sous le regard bienveillant de Pilina qui mentalise. Pour la postérité, Pilina Production, l'équipe au grand complexe. Est-ce qu'elle est pas belle notre mission Zanayé? Il publie Royal. Ah bon, les et félicitations. Merci infiniment à toutes les deuxièmes dauphines qui peuvent regagner leur place
Merci, nous avons offert un spectacle génial. 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 Pascal, la couronne, bien évidemment, Philomène, de la première dauphine de Nala. Si on regarde sa maman, Popina. Tu as vu Popina? Elle a une couronne, Nala. On l'applaudit, je vous en prie, Nala. Sa couronne. C'est une belle image, hein. L'image vaut ce soir 1 million d'euros. Mani et Nala. Deux reines de beauté consacrées ce soir. Merci infiniment. Alors, si vous avez des cadeaux pour la Miss, des voitures, des maisons, des vacances à Bora Bora. Thank you.
tous les enfants au moment qu'ils viennent à présent, pour te remettre un très joli cadeau. Maman Françoise, on dit que l'élever des enfants est une tâche difficile et que les récompenses sont inestimables. Les enfants sont de précieux rappels de ce qui est important. Ils vont t'offrir, maman Françoise, un joli voyage vers une destination de ton choix. Et je peux te dire que l'enveloppe qu'ils vont te remettre, tes enfants, est conséquente. On salue la générosité ce soir de Aline, de Christiane, de François, d'Elisabeth, de Dada, de Tata Gisèle, de Tata Régine, de Francky, de Béranger, de Marie-Paul, de Yossa et de Laurent. Merci les enfants. Allez, ça va. Oh,
Je vous entends pas. On chante ensemble. J'ai Merci. Et s'il n'est pas la première fois qu'il ramène sa très belle tranche, on peut l'applaudir, je vous en prie. Il vient de Paris, et Paris c'est magique, hein. Paris c'est la ville lumière, c'est la capitale de la zone mondiale, mais c'est aussi la capitale de l'art culinaire français. C'est d'ailleurs, ça s'est ressenti dans les plats ce soir. Bravo les Solons, Améga, merci. Et merci Momo, parce que tu es toujours là. Merci à vous qui avez mangé. Je suis fier. Je suis émotionné, merci. On va l'applaudir, je vous en prie, Sylvain. Tes enfants viennent te faire des surprises. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Voici Manon Killer. Sur une jambe. Il est sur une jambe. Mais Manon, on n'a pas beaucoup de temps. La voix est restée intacte. Même si ce soir, si tu es sur une jambe. Merci. On dit dans la vie quand tu te réveilles à 6 heures du matin, ce que tu t'as perdu, c'est qu'il t'a fait des grâces. Oh ma François, je regarde ton cœur, je vois beaucoup d'amour pour ceux qui t'entourent. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu t'a donné la chance d'avoir un nom de plus. Un an de plus là, c'est pas comme les autres. C'est de 1 jusqu'à 60. C'est pas donné à n'importe qui. On va applaudir pour ces 60 ans la vie, c'est François. Si j'avais dit qu'elle était Miss, on devait dire c'est à ta la cour. Mais ce soir vous même vous avez confirmé dans le défilé, elle est sortie la Miss. Ça veut dire c'est toi la reine ce soir.
ne sais même pas quoi dire. Je vous remercie. Tout le monde ici présent. Tout le monde. Ils sont partis de loin, de la Suisse, de Toulouse, de l'Allemagne, du Cameroun, rien que pour moi, de la Belgique, du Luxembourg. Thank you.
Ce que j'ai chanté tout à l'heure, ça venait de mon cœur. Je ne sais pas si l'inspiration sera pareille. Voilà. Il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un nom de plus dans la vie. Mais par la grâce de Dieu, tu as un nom de plus, maman Françoise. Il y en a qui ont un nom de plus, être maître sous terre.
a qui ont un nom de plus sur le lit d'hôpital. Il y en a qui ont un nom de plus ailleurs là-bas au pays. Dans le nos autres, mais par la gloire de Dieu, tu as un nom de plus. Et tous tes amis sont là, ils sont venus de partout. Et tout cela pour l'amour qu'ils ont pour toi, c'est pas joli comme ça. Oh maman Françoise, vraiment Dieu t'a béni. Maman tu l'as dit, j'ai épuisé une prestation pour toi. Je dis, je vais bénir comme l'idée, je vais chanter seulement dans mon micro. Je vais chanter pour te souhaiter joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. C'est ton anniversaire, alors nous te souhaitons heureux anniversaire et longue vie à toi. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire.
C'est en ce jour du 24 août que tu es venu dans le monde. Dans un pays d'Afrique centrale, tu as poussé ton premier cri. Face aux défis de la vie, tu n'as jamais baissé les bras. Ton courage et ta bravo, fais de toi celle que tu es aujourd'hui. Joyeux anniversaire, François. Happy birthday to you, François. Joyeux anniversaire, François. Happy birthday to you, François. Pour tu es une amie merveilleuse, et pour d'autres, une maman exemplaire. Pour nous tous, tu es un être si cher, François. Soyez anniversaire, François. Que le Seigneur te comble de bonheur, à François. Soyez
maman Abena Françoise, nous sommes là pour célébrer ton 60e anniversaire. On te souhaite longue vie et bien de choses à toi, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Tu es ma maman, tu es pour moi celle qui est au Cameroun. Joyeux anniversaire encore à toi, une fois de plus, et ce sera tous les jours. Que le Seigneur te bénisse au centuple, qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il te bénisse davantage. À toi, à Mathias, à ton mari, à Boubi, à ta petite fille, Nada, que j'aime très fort. Merci. Bonsoir Françoise, je tiens aujourd'hui à te dire que je t'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement pour venir fêter tes 60 ans. Je t'aime et je t'embrasse très fort. Et bonsoir, bisous, bisous. Nous avons passé une très belle soirée. Elle était variée avec des personnes qui venaient de tous les horizons. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des Bamileke, il y avait le Zéondo, il y avait le Bassa, il y avait le Tupouri, il y avait un peu de tout. C'est tout le Cameroun réuni. Maman Françoise, c'est une maman que je tiens à cœur. Elle m'a toujours soutenu. C'est comme une deuxième maman pour moi. Donc ce fut un plaisir pour moi d'être là. Je m'excuse auprès de ceux-là que j'ai refusé leur prestation parce que je devais être là ce soir pour la soutenir pour ses 60 ans parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Vraiment, félicitations à elle parce que la soirée fut merveilleuse. Je me joins à toi ce jour pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui t'a... Tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'il prévoit pour toi pour des années à venir. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de santé, d'amour que tu as toujours donné à nous et à tous tes enfants et toute ta famille. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour ma grande sœur. Amen. Monsieur anniversaire, Manyawa m'a fêté 60 ans. Manyawa m'a fêté. Vous savez, ce soir, on vient de célébrer 60 ans de vie. C'est notre maman. Elle a toujours su nous entretenir, bien nous garder. Elle veille sur nous. Nous sommes venus fêter avec elle aujourd'hui. Pour 60 ans, j'aimerais lui dire joyeux anniversaire. Merci. Merci, mon fils. Franchement, nous avons été bien reçus. Et maman Françoise... J'ai tout dit à travers la chanson que j'ai composée spécialement pour elle. Vraiment, ça a été un immense bonheur. Et le cri de mon cœur, c'est que Dieu lui accorde encore de nombreuses années de vie et que pendant ces années-là, qu'elle puisse encore vivre un immense bonheur, qu'elle puisse vraiment aller de gloire en gloire et que vraiment... Que le bonheur, que la réussite, que la faveur de Dieu l'accompagne dans toutes ses entreprises, dans sa famille, dans tout ce qu'elle fera. Voilà, nous l'aimons très fort, quoi. La maman, la compresseur des femmes, la femme capitaine, celle qui n'a pas d'impression. Car la femme qui est belle, elle n'a pas besoin de miroir pour se mirer. Quand tu es belle, tu es belle. Aujourd'hui, je te dis, la maman, la femme de... La maman de tous les enfants de l'Ixambun, je te souhaite aujourd'hui joyeux anniversaire par ma voix des voyageurs, la voix des beaux ailleurs, les enfants qui ont bravé, qui ont affronté la Méditerranée. Aujourd'hui, je te dis joyeux anniversaire, la capitaine des femmes, la femme compresseur, que Dieu veille sur toi. Il me manque vraiment les mots. Je suis très émue. Pour commencer, je dis merci au Seigneur notre Dieu de m'avoir accordé longue vie pour mes 60 ans. Et en bonne santé, je peux dire, j'ai des petits bobos, mais ça va. J'arrive à gérer. C'est juste, je ne sais pas, il me manque vraiment les mots. Je remercie. Vous-même, vous avez vu tout ce monde que pour moi, je suis la maman de tous. Ce sont mes sœurs, mes frères. Et je remercie Dieu.